العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اجعل نياتنا خالصة لوجهك الكريم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله: فويل لمن صار لله تعالى في القدر خصيما، وأحضر للنظر فيه قلبا سقيما، لقد التمس بوهمه في فحص الغيب سرا كتيما، وعاد بما قال فيه أفاكا أثيما. الإمام الطحاوي رضي الله عنه بعد أن بين أن حقيقة القدر سر الله تعالى، لم يطلع على ذلك لا ملك مقرب، لم يطلع على ذلك ملك مقرب ولا نبي مرسل، الله تعالى يعلم حقيقة ذاته وحقيقة صفاته، ومن صفاته التقدير، فالله تعالى لم يطلع على حقيقة هذه الصفة أحدا من خلقه. فمن زعم أنه يستطيع أن يعلم حقيقته أو كذب بالقدر فقال الخلق أعمال العباد ليست بخلق الله، أو الشر ليس بخلق الله، أو قال أنا أعمالي ليست بتقدير الله، هذا صار خصما لله، عدوا لله، والويل له إذا جاء يوم القيامة على هذا الاعتقاد، الويل له كل الويل. الإمام الطحاوي il a dit grand malheur à celui qui parle au sujet de القدر d'une manière qui ne correspond pas à ce qui a été dit dans le Coran et la Sunna, ou celui qui prétend que lui il peut connaître le secret de l'Qadr. Et on a dit que Allah Ta'ala c'est lui seul qui sait sa réalité et la réalité de ses attributs. Lorsqu'on parle de Al-Qadr, la prédestination, c'est Allah Ta'ala seul qui sait la réalité de l'attribut de la prédestination. Les anges n'ont pas connu, même l'ange Gabriel ne sait pas la réalité de l'attribut de Al-Taqdir ou Al-Qadr, ni le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Encore, il y en a ceux qui disent que le mal existe sans la création de Dieu. Alors ça veut dire quoi? Il y a un autre Dieu qui crée le mal? Celui qui dit le mal n'a pas été créé par Dieu, il a mécru? Ou celui qui dit mes actes n'ont pas été créés par Dieu, c'est moi-même qui les crée? Ou celui, c'est moi qui prédestine mes actes? Celui-là, il est l'ennemi de Dieu, grand malheur à lui, et un grand châtiment qui va l'attendre le jour du jugement. C'est pour cela l'imam Tahawi a dit فويل لمن صار لله تعالى في القدر خصيما، يعني عدوا، لأنه بهذا إذا قال أعمالنا ليست بخلق الله أو الخلق ليس، صار مثل المجوس. Celui qui dit mes actes sont créés par moi-même, ou celui qui dit le mal c'est moi qui le crée, c'est pas Dieu, ou il dit Satan, il ressemble au mage qu'il croit à deux dieux. Ils disent un dieu qui crée le bien, il dit c'est la lumière. Un Dieu qui crée le mal, ils disent, c'est les ténèbres. Et celui qui dit ça, il ressemble alors à ces gens-là qui sont mécréants, et lui-même a mécru, et voilà, il va devenir un ennemi. Il est l'ennemi de Dieu. Un parmi les savants qui ont commenté Tahawiyah, il s'appelle Najm al-Millati wa-Din, Manku Pers, في كتاب النور اللامع قال وسموه خصيما لله لما سبق بيانه من البراهين المبينة لالتحاق منكر القدر بالثنوية والمجوس. Pourquoi on a nommé celui qui nie le qadr, qui dit mes actes sont créés par moi-même, prédestinés par moi-même, c'est pas par Dieu, il est nommé l'ennemi de Dieu parce qu'il ressemble au mage ou ceux qui croient à deux dieux, والعياذ بالله تعالى. وأحضر النظر فيه قلبا سقيما. ليش قال قلبا سقيما؟ يعني قلب مرتاب، قلب ليس على الهدى، قلب ليس على النور. Il est venu avec un cœur malade. Alors celui qui nie la prédestination, celui qui dit nos actes c'est fait par nous-mêmes indépendamment de Dieu, il est venu avec un cœur malade. Il a mal raisonné, il a mal cru, il a cru à quelque chose qui est mauvais, qui n'est pas juste. لأنه إيش ما أخذ بالأدلة القاطعة وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. Il y a des arguments irréfutables dans le Coran al-Karim comme l'aya qui signifie vous ne réalisez votre volonté que si Allah a voulu. ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله.
Ne dites pas, demain je vais faire telle chose sans exception, sans dire, sauf si Allah Ta'ala a voulu. Je vais t'aider, voilà, demain je vais t'aider. Oui, Inch'Allah, parce que c'est possible qu'il y ait un empêchement. Si Allah a voulu, je viens, je t'aide. Si Allah n'a pas voulu, je ne peux pas venir, c'est fini. Tout dépend de la volonté de Dieu, ce n'est pas de ma volonté. Notre volonté est sous la volonté de Dieu, on a un choix. On est venu faire la prière de l'Asr avec un choix, mais sous la volonté de Dieu. Allah a prédestiné, avant qu'on soit créé, de venir prier. Tu vois, Allah Ta'ala a prédestiné, avant qu'on soit sur cette terre, Allah Ta'ala a prédestiné, par sa prédestination qui n'a pas de début, que voilà, tel nombre parmi les gens vont prier à la mosquée de Lausanne. Mais on avait un choix, nous on a pu aller à Ouchy, on a pu aller ailleurs, mais on a décidé de venir, on a un choix, sous la volonté de Dieu et pas indépendant. لنا اختيار تحت مشيئة الله لسنا مستقلون إنما اختيارنا تحت مشيئته سبحانه وتعالى لقد التمس بوهمه في فحص الغيب سرا كتيما وعاد بما قال فيه أفاكا أثيما إذن سماه سقيم القلب لارتيابه pourquoi il a dit il a un cœur malade parce que il doutait au verset dans le Coran, aux paroles prophétiques et le fait de croire aux attributs de Dieu. Parce que si tu dis Allah est le Tout-Puissant et Allah subhanahu wa ta'ala a l'attribut de la volonté, c'est lui qui prédestine pour toutes les créatures. Alors comment tu dis non, il y a telle chose qui rentre dans l'existence sans qu'Allah ta'ala l'a voulu. Qui fait ça? Qui fait ça? يحصل في ملك الله بخلاف ما أراد كيف يقال يدخل في ملكه شيء ما أراده كيف يصح هذا comment peut-on dire qu'il y a quelque chose qui rentre dans le monde sans la volonté de Dieu ça veut dire que est-ce que c'est logique de dire Allah est vaincu c'est-à-dire Allah n'a pas voulu et l'être humain a voulu et ce que l'être humain a voulu a eu lieu C'est pas logique ça. Le fait de dire Allah n'a pas voulu et Satan a voulu. Et ce qu'il a voulu, Satan a eu lieu. Et ce qu'Allah a voulu n'a pas eu lieu. Est-ce que c'est logique de dire Allah est vaincu par Satan ou par les êtres humains? هل يصح أن يقال الله مغلوب من قبل الشياطين أو من قبل الإنس؟ معاذ الله. معاذ الله. قال الله تعالى والله غالب على أمره. أي أمره نافذ. فإذا صاحب القلب السقيم صاحب القلب المريض الذي لم يقبل ولم يأخذ بالآيات القاطعة في هذا الموضوع والأحاديث والإجماع والأدلة العقلية لعموم قدرة الله وعموم مشيئته سبحانه وتعالى لكل موجود من خير أو شر tout ce qui rentre dans l'existence dans le bien ou dans qui soit du bien ou du mal c'est par la création de Dieu et par sa volonté puisque Allah Ta'ala a la toute puissance sur toute chose et il a prédestiné pour toutes les créatures. يقول والتمس بوهمه في فحص الغيب سرا كتيما انت كيف تتكلم بالوهم بامر اخفى الله عنك حقيقته comment tu parles par لانه الوهم الذي لا يكون عن كلام لا يكون مبني على علم على قطع parler dans l'illusion et parler sans argumentation sans preuve ça c'est on dit il parle par l'ouham quelque chose qui ne tient pas debout suite à un argument et tu cherches encore à parler dans un attribut que Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas donné la connaissance de sa réalité même aux anges même aux prophètes messagers فإذا يقول فصار بسبب ذلك أفاكا أثيما لأنه بإنكاره يرد الأدلة القطعية alors il est devenu un menteur un égaré par le fait de rejeter les arguments catégoriques والأفاك هو الكثير الكذب on dit أفاك لإنسان يكثر من الكذب الأفاك هو الكذب والأفاك كثير الكذب on dit Affaq pour celui qui ment trop, celui qui fait beaucoup de mensonges. Athiman, lama qal athiman, alladhi huwa ish, al-kathir ul-ithm, alladhi yukthir min al-dhunoub, athiman. Ah, ça c'est pour dire que c'est quelqu'un qui est menteur et qui ment trop et qui est désobéissant et qui est grand désobéissant.
فإذا هذا تصريح من الإمام الطحاوي أن من بذم من أنكر القدر. C'est une parole explicite de l'imam Abu Ja'far al-Warraq al-Tahawi de critiquer, de mépriser, de mettre en garde contre celui qui nie al-qadar. وهم المعتزلة القدرية الذين كذبوا بالقدر. Ce sont une secte qui s'appelait al-Mu'tazila parce qu'ils se sont isolés. On les a isolés de la séance de al-Hassan al-Basri. Alors on les a nommés المعتزلة. المعتزلة يقولون ما شئت لم يكن وكان ما لم تشاء. هو ما شئت يا ربي كان وإن لم أشاء. ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن. كلمة مجمع عليها جاءت في الحديث. ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن. Tu vois, c'est dans le hadith du prophète عليه الصلاة والسلام. Ce qu'Allah a voulu sera. Ce qu'Allah n'a pas voulu ne sera pas. Ne rentre pas dans l'existence. Alors المعتزلة ils disent voilà, ce que tu as voulu, il ne sera pas, il ne rentre pas dans l'existence. Et ce que tu as, et ce que tu n'as pas voulu a eu lieu. Mais qui fait dans le hakim? يعني لأنه يقولون كان ما لم تشأ وما شئت لم يكن. هذا هكذا عند المعتزلة هكذا. لأنهم يقولون الله ما شاء الشر ولكن حصل. يقولون شاء السعادة ولكن لم يحصل. هيك يقول الله شاء السعادة لكل الناس حصل للبعض ولم يحصل بعض الآخر. ديز المعتزلة الله أفولي لو بيان بور تول موند. مي سيغتان اون كرو اون في دو بيان اي دوتر نو. سيتادير بور او الله أفولي مي نا با إي ليو. سا فولونتي نا با إي ليو. من بعد بيقولوا وحصل ما لم يشاء لو مال كي إكزيست. إيل ديز لو مال إكزيستي مي سون لا فولونتي دو ديو. Alors c'est comme ils disent Allah est vaincu par ses créatures. كأنهم يقولون الله مغلوب في ملكه والعياذ بالله. أما أهل الإسلام يقولون ما من حركة ولا سكون إلا بمشيئة الله تكون. Dans les savants de l'islam on dit rien ne bouge, rien n'est stable sans la volonté de Dieu. ما من حركة ولا سكون إلا بمشيئة الله تكون. الخير والشر. لكن الله يحب الخير ويأمر به ولا يحب الشر ولا يأمر به. ما نحن كله بخلق الله وبتقدير الله ما في كلام. Tout est créé par Dieu, tout est prédestiné par Dieu. وخلق كل شيء فقدره تقديره. آية. وخلق كل شيء فقدره تقديره. Mais Allah agrée le bien, ordonne le bien. N'agrée pas le mal, n'ordonne pas le mal. Allah يحب الخير ويأمر به. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر. إذن الله يحب الخير ويأمر به ولا يحب الشر ولا يأمر به. إن أجري با لو مال إل نو لوردون با. أما خلقه فلكل شيء. خالق كل شيء. تقديره لكل شيء. هلا بس ألفت انتباهكم إلى مسألة. الله خالق كل شيء والله تعالى مقدر كل شيء. طيب هل خلق الله للأشياء القبيحة للمعاصي والكفر هل هو قبيح؟ لا. القبيح ينسب إلى الإنسان. إذا فعلت ما نهاك الله عنه يسمى قبحا. إذا فعلت الحرام يسمى معصية. أما خلق الله لكل شيء حسن لأن خلقه سبحانه وتعالى صفته وصفته كلها كمال. هلا القبح والمعاصي تنسب لمن؟ لمن قام به الفعل. لمن ينسب الزنا؟ للزاني. لمن يشرب ينسب شرب الخمر؟ للشارب. لمن ينسب السرقة؟ للسارق. لمن ينسب الكذب؟ للكاذب. فإذا الكاذب، السارق، الزاني، المرابي، الساحر، هذا المذموم. أما أن الله خلق كل ذلك فالله موصوف بالخلق لا يوصف بالذم. وخلقه لا يكون مذموما. خلقه لكل شيء حسن وتقديره لكل شيء حسن. C'est une question très importante à savoir que on attribue l'acte à celui qui l'a accompli par ses membres et ses organes. Celui qui a fait la fornication, on dit fornicateur. Celui qui a menti, on dit menteur. Celui qui a volé, on dit voleur. Celui qui a fait tricher, on dit tricheur, ainsi de suite. Alors on dit voilà, celui-là il a commis le péché, il a fait quelque chose de mauvais, c'est haram ce qu'il a fait, c'est un menteur, c'est un voleur, c'est un... ainsi de suite. Mais Allah Ta'ala a créé l'acte, on dit il est le créateur. On attribue à Allah Subhanahu wa Ta'ala l'acte, la création de cet acte. C'est quoi l'attribut de Dieu? La création.
La création de Dieu pour toute chose, c'est du bien. La même chose, on parle au sujet de la prédestination. Allah a prédestiné que telle personne prie, Allah a prédestiné que telle personne a bu de l'alcool. Allah a prédestiné que celui-là, il se marie, il consomme le mariage et avec yani, un contrat de mariage, c'est halal, et l'autre, il fait un acte de fornication sans mariage. Allah a prédestiné que celui-là a bu du thé, l'autre a bu de l'alcool. Celui-là a mangé de la viande halal, l'autre a mangé de la viande haram. Ainsi de suite. Alors la prédestination de Dieu pour toute chose, c'est du bien. Parce que les attributs de Dieu sont des attributs de perfection. Et là, l'acte est attribué à celui qui l'a accompli, à celui qui a bu, à celui qui a mangé, à celui qui a volé, à celui qui a fait telle et telle chose. Mais ce qu'on attribue à Dieu, les attributs de Dieu qui sont propres à lui, confirmés à Allah, la création et la prédestination. La création, pour toute chose, c'est un attribut de perfection. La prédestination de Dieu pour toute chose, c'est un attribut de perfection. إذن خلق الله لكل شيء حسن تقدير الله لكل شيء حسن أما فعل العبد منه حسن ومنه قبيح. Dans les actes de l'être humain, dans les actes de djinn, il y a du bien et du mal. Du mal, suite, parce qu'il a désobéi à Dieu. الحرام ما حرمه الشرع مش انه هذا لنفسه حرام ليس كذلك c'est pas la chose elle est en lui-même mauvais ou interdit en lui-même non elle est mauvaise parce que Allah l'a rendue mauvaise elle est interdite parce que Allah l'a rendue interdite c'est du bien parce que Allah l'a rendue bien اذن الحسن ما حسنه الشرع والقبيح ما قبحه الشرع والحلال والحرام كذلك والحلال والحرام كذلك ليس امرا يقال بالعقل هذا حلال وهذا حرام c'est pas on dit selon la raison ça c'est halal ça c'est haram c'est pas selon la raison on dit ça c'est interdit ou ça c'est obligatoire non c'est pas ça la raison confirme que ce qui est dans la religion est juste parce que Allah Ta'ala est le créateur c'est lui Dieu qui mérite d'être adoré et il a le droit de nous ordonner et de nous interdire انه العقل يحكم بان ما جاء به الشرع هذا صحيح العقل يؤيده بمعنى ان الله له الامر والنهي الله هو الاله نحن العبيد والاله له ان يامر بما شاء وينهى عما شاء اليس امر ابراهيم ان يذبح ولده اسماعيل بس انا اعطيكم يعني pour vous rappeler الله له ان يامر بما شاء الله تعالى a le droit d'ordonner ce qu'il veut d'interdire ce qu'il veut Et il a ordonné à Ibrahim d'égorger son fils Ismaïl. Et Ibrahim a pris le couteau et Ismaïl a dit « Oh mon père, fais ce qu'Allah t'a ordonné. Tu vas trouver que je suis quelqu'un qui patiente. »« Satajiduni incha'Allah minas sabirin. » Fa'idhan, Allah Ta'ala yaf'al ma yurid, ya'mur bima sha' yanha amma sha' Tabahna, laysat tahlil wa tahrim بالعقل ولا من عند انفسنا c'est pas selon la raison c'est pas de notre propre initiative mais selon ce que Allah a ordonné a interdit هكذا التحليل والتحريم والحسن والقبح راجع الى ما امر الله سبحانه وتعالى والى ما نهى عنه وهكذا نكون قد اتم او المؤلف بهذا اتم موضوع القضاء والقدر ونحن يعني ليس في موضع واحد تكلم في موضوع القضاء والقدر لأهميته. الإمام الطحاوي a parlé dans son livre à plusieurs reprises au sujet du qadar et il a bien détaillé les choses parce que la fitna de al-qadariya n'était pas une fitna simple, c'était une fitna très dure. À un certain moment, des grands imams qui ont été dans la prison à cause d'eux, comme l'imam Ahmed. Ahmed ibn Nasr al-Khuza'i a été tué, il y avait des imams qui ont subi beaucoup du mal à cause de ces Mu'tazila qui ont pris fort, qui étaient forts au temps de l'Ma'moun et même avant ils étaient infiltrés, ils sont devenus des premiers ministres ainsi de suite mais après par la suite Allah subhanahu wa ta'ala a enlevé leur épreuve et les imams ou les califes ont corrigé ce qu'il a fait
Al-Ma'mun et ses deux frères qui sont venus après lui, le Mu'tadid ou le Wathiq ou kada. Après, c'est réglé. Mais ça a duré quand même une vingtaine d'années, une épreuve à cause de Al-Mu'tazila. Actuellement, Al-Mu'tazila, comme secte, n'existe pas dans ce nom, mais il y en a beaucoup des gens qui ont la croyance de Al-Mu'tazila. يمكن كفرقة ما بتسمع اليوم بيقول لك نحن معتزلة أو كذا، إنما أفراد، وكأنه سمعت إنه في هيك بفرنسا من يروج لهذا من جديد وبيعتبر إنه هيدولي أناس، لأنه المعتزلة يقدمون العقل على الشرع. المعتزلة ils mettent la priorité à la raison avant la religion. أهل السنة والجماعة يقولون la religion s'est confirmée tout d'abord par les textes, Al-Qur'an wa Sunnah, et la raison en est témoin. Ce n'est pas par la raison qu'on dit halal, haram, obligatoire, pas obligatoire. C'est par les textes. Et la raison en est témoin. Tout en sachant toujours qu'il n'y a pas une contradiction entre les textes et la raison. Amr wadih. La yujad tadarub wa la tanaqud bayna al-nusus al-shar'iyya wal-aql. Al-shar'u al-dinu, dinu al-anbiya kull, huwa al-islam. Haza al-din la yati illa bi mujawizat al-uqul. Qa'ida. قاعدة، c'est une règle. الشرع لا يأتي إلا بمجوزات العقول، لا يأتي بحكم واحد يخالف العقل. الشرع لا يأتي إلا بمجوزات العقول. لكن الأحكام تثبت عقلا أم بالنصوص الشرعية؟ بالنصوص الشرعية والعقل شاهد. Mais les jugements concernant l'interdiction ou l'obligation ou halal ou haram, ça sera confirmé par les textes. Et la raison en est témoin. فلما كان هؤلاء المعتزلة يقدمون العقل على الشرع، وفي ملحدين كثير بفرنسا اليوم، اليوم في مشكل بأوروبا بشكل عام، صعود كبير للإلحاد. صعود كبير للإلحاد، يعني حتى بإيطاليا وين في الفاتيكان عندهم مشكل كبير، حتى مرة أخذوا من كتب الغزالي كيف بيردوا على الملاحدة. Ils ont pris des livres de l'imam Ghazali, comment répliquer contre les athées. Il y a une grande montée d'athéisme dans la jeunesse. Là, tu sais, c'est que nous, يعني الوصول إلى الحالة اللي وصلنا لها بسبب الإلحاد. ما في خوف من الله وما في اعتقاد عندهم أنه في آخرة وفي حساب. Beaucoup parmi les jeunes ne croient pas au jour dernier, ne croient pas au paradis, à l'enfer, ne croient pas à la résurrection après la mort, ils ne croient pas au jugement. Et bien sûr, ça c'est, il leur manque beaucoup d'intelligence. Parce que s'ils sont intelligents, comment tu es venu au monde? L'un de ces athées éteint la lumière, tu lui donnes une gifle. Il ne va pas accepter, même si tu restes avec lui 1000 ans, que le gifle est venu tout seul. Il ne va pas accepter, gifler. Même si personne n'a vu, il n'y a pas de lumière, il y a un bruit, on a entendu un gifle. Il ne va pas accepter que c'est venu tout seul. Alors le monde entier est venu tout seul. Le soleil, la lune, l'être humain, les animaux, tout ça. Le gifle ne vient pas tout seul, mais le monde entier il vient tout seul. La gare de Lausanne ne vient pas toute seule, mais le monde entier il vient tout seul. هو هذا الملحد. كف ما بيقبل إجا لحاله. محطة الجار تاع لوزان ما بيقبل إنه إجت لحالها. ما بيقبل. تقول له 10 سنين. قل له واحد يقول له هيدي لجار دو لوزان لحالة طلعت. ما حد اشتغل فيها لحالة. طلعت. العالم والإنسان والحيوان أعجب من الجار آلاف المرات ملايين المرات، ولكن لذلك عم أقول ليس أهل الإلحاد ما عندهم ذكاء، عندهم غباء. Les athées ils sont dans le sommet de l'idiotie. De toute façon, on est en train de dire que la raison il vient pour confirmer ce qui est dans l'islam. On ne met pas la raison devant le Coran et la Sunna, mais on dit la raison témoigne de la véracité du Coran et la Sunna. نحن لا نلغي دور العقل أبدا. La raison il a un rôle très un rôle important dans l'islam, mais les lois de l'islam, la prière obligatoire, c'est 5, le jeûne de Ramadan, la zakat, tout ça c'est confirmé par les textes dans le Coran et la Sunna, et la raison en est témoin. هكذا. إذا الأحكام الشرعية تثبت بالنصوص والعقل يشهد على ذلك. والله سبحانه وتعالى أعلم وأحكم. والحمد لله رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.